J'enseigne dans un cégep depuis 14 ans. Je suis enseignante en soins infirmiers et également enseignante pour le programme de technique policière et technique d'éducation spécialisée dans le cadre de leur cours de premiers soins ou de soins d'urgence. Je suis infirmière depuis un petit bout et quand j'ai eu à décider de retourner à l'université, ma passion depuis que j'avais 5 ans, c'était d'enseigner. Donc, je suis allée faire un bac en éducation et de là, j'ai décidé de venir travailler dans un cégep pour pouvoir transmettre justement mes connaissances, mes savoirs comme infirmière dans le cadre d'un programme technique. De travailler dans un cégep, c'est de travailler avec une clientèle jeune adulte, nos futurs collègues, les futurs intervenants de demain qu'on peut croiser dans une situation d'urgence ou dans une situation plus quotidienne, mais de travailler auprès de ces jeunes adultes-là, de les amener à œuvrer avec tout le professionnalisme qu'on entend de ces travailleurs-là, autant dans le réseau de la santé que dans le service, dans les services différents corps policiers, c'est de les pousser justement à aller chercher un niveau de professionnalisme et de connaissances et de compétences qui vont pouvoir mettre à contribution dans le cadre de leur travail et finalement d'être les futurs employés de demain, mais même, en même temps souvent nos futurs collègues lorsqu'on est encore dans le milieu. De travailler dans un milieu collégial, bon, c'est d'être avec ces jeunes-là, jeunes adultes, qui des fois viennent nous voir parce que, bon, ils ont des problèmes au niveau de leur vie amoureuse. Ou, comme moi, comme infirmière, bien, ça arrive souvent qu'ils viennent nous voir pour des petits bobos. En tout cas, c'est de vraiment être capable de les seconder dans d'autres paramètres que celui juste des cours ou dans le cadre de ce qu'on doit faire comme enseignant. De travailler aussi dans un milieu collégial, c'est d'avoir cette autonomie-là professionnelle qui nous distingue dans le cadre de l'enseignement supérieur, d'avoir à respecter, oui, le plan cadre dans le programme dans lequel on enseigne, mais le reste, c'est toute la possibilité d'utiliser notre expertise, mais notre créativité, et à ce moment-là, d'amener les étudiants à aller encore avoir l'intérêt ou le goût d'aller encore plus loin dans ce qu'on attend d'eux dans le cadre de leur cours.